Coucou tout le monde, on se retrouve pour une vidéo haul action et nose. Et oui, un haul action. Alors pas trop en scrap parce que bah évidemment les rayons sont fermés, mais j'ai pris, je suis contente, au rayon bricolage. Je cherchais ces boîtes de rangement et il y en avait plus pendant un moment et là je les ai trouvées, donc j'ai sauté sur l'occasion, je les ai pris tout de suite avant qu'il n'y en ait plus. Donc il me fallait un comme ça encore, donc je l'ai pris. Et un autre, j'ai pris, je savais pas trop si je devais en prendre un ou pas, donc je sais pas si je vais voir. Donc celui-ci avec les 9 tiroirs. Là il y en a 4, là il y en a 9. Par contre j'ai pas les prix évidemment. Je crois que c'est 5 euros et quelques si je me trompe pas. Donc ceux-là ils sont bien, c'est qu'ici on a une petite, on va dire glissière pour pouvoir en fait les, hop, les fixer ensemble. Donc on peut faire vraiment un gros bloc pour pouvoir les déplacer, c'est plus sympa. Donc voilà, j'ai repris, je suis contente, j'ai trouvé, j'ai pris. Bon, il n'y en avait qu'un avec les gros tiroirs, parce que comme il y a plusieurs tiroirs différents, on a celui-là avec les 9, il y en a un avec où ils sont plus petits, donc il y en a plus, il y en a un avec 2 tiroirs. Donc il n'y a pas beaucoup de choix, mais bon, il y en avait un déjà. Si on a un autre la prochaine fois, peut-être, je sais pas, on verra. Ah non, action je veux dire. Action, bah j'ai craqué aussi pour ces deux nappes là. Alors moi j'ai une collection de nappes, une collection de pas mal de choses, mais parce que vous avez dû voir sur ma chaîne, des fois je fais des décorations de table. Et là j'ai craqué pour ces deux là. Si je l'avais eu celui-là à Pâques, je pense que pour Pâques l'année prochaine, il sera super, regardez le beau vert que c'est. Et on a ce bleu là, il est magnifique. Donc celui-là peut-être que je vais l'utiliser pour la fête des mères. Donc c'est 7,95€, un truc comme ça. Il fait 140 par 275 cm. Donc voilà, je pense que je vais l'utiliser celle-là pour la fête des mères parce que ma mère aime bien le bleu. Donc ça tombe bien. Ensuite, action, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il n'y avait pas énormément de choses hein, du coup. J'ai été aussi, surtout pour ça, en fait, des enveloppes à bulles, 99 centimes. J'ai pris les grandes et les petites parce que bah, je fais beaucoup de... En ce moment j'envoie beaucoup de colis et j'en ai pas préparé aussi pour les colis de concours que j'ai toujours pas encore envoyé. Parce qu'il faut que je prenne du temps pour faire les cartes et j'ai pas eu le temps. Mais j'oublie pas, hein, ne vous inquiétez pas. Donc voilà. Et avec les colis vintage ça part assez vite. Ensuite, j'ai pris des pailles en alu comme ça. Enfin en alu... en inox, en plus comme ça c'est plus écologique, et on a le petit petit bâtonnet comme ça là, la petite brosse pour pouvoir les nettoyer, donc ça c'est super. Et puis dans les verres je trouve que ça peut être pas mal, c'est sympa. Donc c'est des pailles de toute façon, 99 centimes, et j'ai craqué pour ça, donc c'était 2 euros et quelques. En fait quand j'étais plus jeune j'ai eu une perruche et en fait ça me rappelle beaucoup ma petite perruche qui m'en manque, je l'adorais ma petite perruche. Donc elle est assez grande, hein. C'était 2 euros et quelques, je peux plus vraiment vous le dire. Mais elle me fait vraiment penser à ma petite perruche. Voilà. Bon, elle avait pas la queue bleue comme ça, mais bon. Donc voilà, trop trop beau. C'est vraiment magnifique une perruche. Donc bah voilà, je l'ai pris. Il est craqué pour ça. Ensuite, bah du coup, à nose... j'ai pas trouvé grand chose. Par contre le magasin était ouvert complètement, les rayons, tout était ouvert. Donc je me suis pris des petits gilets, donc un gris comme ça, ils étaient à 12,99€, et un dans les tons beige. Alors je les ai essayés, mon copain m'a dit ça va super bien, donc voilà. C'est des gilets qui se ferment pas par contre, mais voilà, en plus je suis contente, c'était les... il y avait que ceux-là et il y avait ma taille, pile poil ma taille, donc c'était super. Ah si, j'ai oublié un truc à action. Je vais prendre le sac. J'ai pris en fait... attends. Des bombes de peinture. En fait, j'ai été pour acheter des bombes de peinture parce que j'ai fait un truc. J'avais un projet et j'ai voulu utiliser les bombes de peinture. Mais déjà, le truc était grand. Et je me suis un peu loupée. Du coup, j'ai gaspillé complètement la bombe. Et je fais, ah, et le confinement, je peux pas en acheter. Bah en fait, si, parce que les rayons sont ouverts. Mais c'était pas prévu que j'y aille. Et du coup bah, j'ai repris, c'est des bombes argentées comme ça, ils sont vraiment jolis, ça fait vraiment bien argenté comme ça, bien brillant, donc c'est pour ça. Et du coup j'ai pris du or, j'en avais mais bon, ça peut être utile pour autre chose. Et du déo, playboy. Les bombes de peinture elles sont à 2 euros et quelques,
Donc, je vais continuer mon truc. Si j'arrive et qu'il est sympa, je vous le montrerai en vidéo. Sinon, bah, je vous le montre pas parce que ça sera une catastrophe. Donc, voilà, faut que je continue. Donc, anneuse. J'ai craqué pour ça. J'adore ces gaufres comme ça. Avec le chocolat et ceux au sucre aussi. Ils sont super bons. Ceux-là, si normalement, ceux avec du chocolat, je crois qu'il y a du sucre dedans, normalement. Du moins, ceux que j'achetais, il y en avait. Et ça, j'adore ça. J'en mange. Oh, c'est trop bon. Et surtout, que au sucre. Bon, voilà. Ça, c'était 2,05 €. Donc, voilà. Elle est une gourmande. Je vais me dépêcher un peu parce qu'en fait j'ai plus beaucoup de batterie. Et en scrap, j'ai pas trouvé énormément de choses. Aussi en manger, j'ai trouvé aussi des Pringles à la pizza, donc 79 centimes. Ça j'aime bien aussi. Je sais pas si c'est les Pringles à la pizza, mais au burger aussi, c'est bon. Ça dépend les marques en fait. Donc voilà. Et ce qui est pas scrap, je vais vous montrer comme ça sera fait. Je me suis pris une essoreuse à salade, le truc on s'en fiche un petit peu, mais 5,50 € si ça peut intéresser quelqu'un. Donc on a la manivelle comme ça, tout simple. Donc voilà. Je devais en acheter une, donc elle fait 2,5 litres, donc moi pour moi ça me suffit. Donc voilà. Il y avait en bleu ou en rose si je me trompe pas, donc j'ai pris en bleu. C'est rien, c'est rien. Donc en scrap, une petite chose de scrap, j'ai trouvé ces petites décorations en feutrine avec les petits poussins. Donc bon, pour Pâques c'est un peu trop tard, mais voilà, j'ai trouvé ça. Donc c'était 1 € moins 50%, donc 50 centimes. Ensuite j'ai trouvé encore des rubans qui n'y étaient pas la dernière fois, donc dans les tons marron à point blanc, 79 centimes, il doit y avoir 2 mètres je pense. Et les rouges à point blanc. Donc ça pour Noël, pas mal. En plus on a le petit support en bois comme ça. Donc ça c'est super, on peut les réutiliser. Ensuite il y avait des fleurs. Donc moi j'étais intéressée par cela. Donc vous voyez, il n'y a même pas le prix, il n'y a plus rien. Il y a celui-là, il y a le prix 80 centimes. Mais celui-là il n'y avait pas et je l'ai trouvé vraiment belle. Bon j'en ai hein, de AliExpress, mais bon. Je l'ai trouvé super belle. Donc j'avais envie de les prendre, 80 centimes. Et il y avait cela. Je voulais pas vraiment les prendre, c'était pour montrer le prix à la dame et en fait c'est passé et j'ai pas fait gaffe. Mais bon, ça peut être quand même pas mal sur une petite carte, des petites marguerites comme ceci. Donc ça c'était 80 centimes et on a les fleurs roses comme ça. Les roses foncées là sont magnifiques. Faut que je voie ici, j'en trouve sur AliExpress. Donc voilà, de toute façon les fleurs ça pavère vite. Et il y avait aussi des petites, moi j'appelle ça comme des sequins, marqué loisirs créatifs. Et là, c'est des feuilles. Donc, il y avait des verts comme ceci. Et des marrons. Donc, ça, c'est super quand on met justement des petites fleurs comme ça. Par contre, ils ont été super intelligents. Ils ont mis la graffe. Non, ça va. En fait, vous voyez, on prend celui-là et le vert. On peut glisser, en fait, des petites pétales comme ceci. Bon, là, j'ai pris les marrons pour Noël. Je trouvais ça pas mal. Mais on a les petits verts. Bon, c'est vrai que les verts, ils sont brillants après, mais bon. Je trouvais que ça pouvait être pas mal, je sais pas. À voir. À voir, à voir. Et ça, c'était 39 centimes. Donc, vous voyez, il y en a quand même pas mal dedans. Il y a 7 grammes, donc il y a quand même pas mal dedans. Hein. Il y a tout ça. Ça en fait beaucoup. Ça, je vais les ranger après. Dans les confettis, tout ce qui est un peu confettis, sequins, etc. Donc là, c'est des confettis. C'est des étoiles. Comme ceci. Différentes étoiles, il y en a, c'est ajouré dedans, 50 centimes. Donc ça pour Noël, ça va être super sur une carte. Hein. Ça, je vais pas l'ouvrir pour l'instant. Et j'ai trouvé ceci. Alors ça, à l'époque, je voulais déjà en acheter. Mais bon, ils sont pas donnés en magasin de décoration. Donc là, 50 centimes. Et en fait, voilà pourquoi j'ai pris ça. Parce qu'en fait, c'est marqué joyeux anniversaire. Donc au lieu de faire des tamponnages ou des découpes, et ben là on a directement le joyeux anniversaire pour une carte. Ça peut être pas mal. Se coller sur une étiquette ou autre. Joyeux anniversaire, voilà. En plus ceux-là ils sont argentés donc ça passe partout. Et j'en ai trouvé dans les tons un peu bleu vert, donc je les ai pris. 50 centimes et on a tout ça, donc on peut en faire des cartes. Hein. Ou même les coller en fond pour faire un fond de carte. Regardez tout ce qu'il y a. Je sais pas combien il y en a, mais il y en a vraiment beaucoup. Donc là c'est du bleu et là du argenté mais il n'y a pas marqué.
Donc voilà, directement le joyeux Noël découpé. Voilà, super. Ils sont pas trop grands, pas trop petits, donc c'est super. Donc voilà pour mes petits achats. Ah si, Anouz. Je suis pas très fan de tout ce qui est Gorgeous, enfin Santoro, Gorgeous et autres. J'ai des petits trucs, mais bon, je suis pas très fan, mais j'ai craqué sur ça. Vous allez voir, franchement, il est magnifique. Bon, il est pas vraiment donné, il est à 11,99€, mais j'ai craqué dessus, regarde. On dirait, en fait, un livre comme ceci. Il est magnifique. Là, dans le plastique, on voit pas très bien. Mais là, magnifique. Il y avait en rouge ou en bleu, et je sais pas, j'ai flashé sur le bleu. J'aurais voulu prendre les deux, mais ça faisait un petit peu cher. Déjà, un, je trouvais ça un peu cher, mais bon. J'en ai pris un fermé, mais j'ai cassé le plastique, donc je peux même pas récupérer. Donc voilà comment ça se présente. C'est en cuir un peu, enfin en faux cuir. Et voilà, on dirait un faux livre en fait. Voilà, tout simplement. On a la petite étiquette là, et on tourne le petit truc en métal. Et en fait, c'est un faux livre, c'est une boîte. Une boîte comme ça, bon, à bijoux ou autre. Moi, je vais l'utiliser pour autre chose. Mais voilà, franchement, vraiment magnifique. On dirait un faux livre et ça, j'aime bien. Et l'apparence comme ça, un peu ancien, un peu, voilà. Je le trouvais très beau. Donc voilà, j'ai craqué pour ça. Mais je suis pas très fan des Gorgeous, mais bon, là, je trouvais qu'il était plutôt sympa. Au pire, on peut coller un truc là, mais bon, je vais le laisser comme ça, mais il est trop, trop beau. Le concept de la boîte livre comme ça, voilà. J'ai craqué sur ça parce que je la trouvais vraiment très belle. Je voulais pas la prendre, mais bon, je la trouvais vraiment très belle et je pense que je vais la laisser dans ma scrap room. Et je sais pas ce que je vais mettre encore dedans. J'ai pensé à faire une petite réserve d'argent pour quand je veux acheter des trucs de scrap ou autre. Je sais pas, on verra. Mais voilà, j'ai vraiment craqué dessus. Donc voilà, si des fois ça vous intéresse. Vraiment magnifique. Donc voilà, j'ai craqué pour ça. Bon, hein. Mais bon, j'ai trouvé quand même des petits trucs pour le scrap. Donc ça, c'est super. Les petites feuilles comme ça, ça peut être pas mal. Hein. C'est vrai qu'après, ils sont vraiment brillants. Donc ça dépend les cartes qu'on veut faire. Mais c'est surtout ce qui était intéressant. Ouais, c'est les joyeux anniversaires, là. Ça va être super pour les cartes. Justement, j'avais des cartes à faire. J'allais commencer à faire des petites cartes joyeux anniversaire, donc je vais pouvoir les mettre. Donc ça va être super. Donc voilà pour ce petit haul AliExpress. Action et Noz. Donc je pensais pas que le magasin Noz était ouvert. Bah en fait c'est bon, il n'y a pas grand chose, franchement. Il n'y avait vraiment pas grand chose d'intéressant à part les petits confettis joyeux anniversaire. Après, bah vous voyez, j'ai pris beaucoup, surtout de la nourriture et des vêtements, quoi. Donc, en quelque sorte, voilà. Mais bon, on sort vite avec la carte bleue qui aime pas. Hein. Donc voilà, je bon, attendre que Action. Hein. J'ai vu qu'à Action, ils vont sortir pas mal de choses. Il y a encore des nouveaux. Là, il y a des dice qui sont sortis il y a pas longtemps. Il y en a un autre qui sont en train de sortir en ce moment. Et j'ai vu sur internet qu'ils allaient en sortir d'autres. Donc ils n'arrêtent pas de sortir des dice. Dès que vous avez pas vu, je sais pas si j'ai mon portable. Non, j'ai pas mon portable. J'ai pas mon portable, je peux pas vous le montrer, mais il y a des dice qui vont être super encore. Et bah voilà, des tampons et autres encore qui vont sortir. Donc, mais bon, pour l'instant on peut pas parce que c'est fermé, mais quand ils vont ouvrir, oh là là, tout ce qu'il y aura. Donc voilà, bon, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous.